Salut tout le monde, salut Mathis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bon dimanche à vous. Bon, écoutez, aujourd'hui, ça fait une petite semaine, donc je n'ai pas streamé vendredi, j'étais en tournage, mais là, on va reprendre le rythme normal, sauf si prochain tournage, mais on devrait aujourd'hui commencer par un petit peu de Lego. J'ai une Batmobile à monter, une petite, et on devrait enchaîner par la suite avec du Zelda. J'espère que ça va bien tout le monde. Le café est encore trop chaud. Je vais prendre le plus gros upgrade du stream. Cette jolie mug. Non, en fait, surtout le plus gros upgrade. C'est mon nouveau pied que j'apprécie énormément. Alors, on va passer sur la scène craft. On va d'abord. Celui-là, c'est un petit, hein, c'est un petit set. On va se le faire gentiment, ce petit set là, et puis après on passera sur du Lego, donc ça devrait nous prendre je pense une petite demi-heure. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va switcher sur la scène de craft. Voilà, on est bien. C'est ce petit set que l'on va faire. On voit tout. On va le faire gentiment. Non, on devrait ouvrir, attends. Elle est où la petite webcam? Ok, s'il faut que je l'affiche, hop. Elle est là. Elle est là, et... Et nous y voilà. Ah, ça en aura un petit peu de vue. Écoute, c'est très gentil. N'hésite pas à en parler autour de toi. C'est le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Après, bah, c'est vrai que malheureusement, j'ai dû faire une grosse pause dans les streams et ça m'a fait redescendre en bas de la liste. C'est pas très grave, t'inquiète pas. On va sortir, on va ouvrir ça proprement. Il y a le petit scotch là, on va sortir le petit scalpel pour faire ça propre. Hop là. Et attends, pousser la souris pour pas qu'elle me gêne. Voilà. Le café, tu reviens là. Mon dieu que cette reprise de Final Fantasy VII est agréable. Sur le thème d'Aeris. Bah on est monté jusqu'à 20-25 en général. Sur les gros événements. Et puis on était sur une quinzaine. Hop, allez, ça. On va voir maman. Alors on a le mode d'emploi qui est là. On a quelques stickers. Les parties transparentes. Oui, on n'a jamais été non plus top 1, hein, mais assez pour passer affilié. Assez pour passer affilié. Hop. Ça. Vol, mais libre. On a eu pas mal de monde quand on a ouvert la chaîne. On avait monté une émission qui s'appelait 360 minutes pour survivre. Et le but de l'émission était de finir un jeu justement en 360 minutes. Et là-dessus, on a fait pas mal de monde, pas mal de conventions.
Mais ça demandait énormément de travail de post-production, de montage. Quand justement, voilà, l'animateur jouait donc 6 heures, 60 minutes. Et après, il fallait nous monter pour pouvoir faire un contenu de 30 minutes, quelque chose de digeste. Et c'était vraiment, vraiment beaucoup de taf. Merci. Alors, on va commencer par monter Batman et le Penguin. On va sortir la cape de Batman. C'est un truc de bonhomme. Alors. Ça, c'est le pingouin, j'imagine. On va lui monter déjà ça. Batman, il y a le petit bandana. Le petit bandana pour... Alors on va lui mettre la tronche pas commode, parce que dans celui-là de Batman il est vraiment pas commode. Donc on fait la Batmobile de The Batman. Attends, j'ai pas mis la cape. Ils ont changé la cape. Avant c'était, elle se pliait sur elle-même pour faire un truc. Et là ils ont fait un truc un peu plus simple, plus tissu. Ah, le chat est là. On va ouvrir au chat. Alors, est-ce qu'ils ont tous les deux? Non, le pingouin a son propre pantalon. On va zoomer un poil. On va zoomer un poil pour que vous y voyez mieux. Voilà. Ah ouais, tiens. Le pingouin, il a son... Arrgh. Et salut Calvandry, salut, comment ça va? Salut! Oula! Ça s'arrête plus? Ok. Ah, mais j'ai peut-être pas désactivé les deux trucs là-dessus. J'ai encore pas désactivé les deux trucs. Comment ça va toi? Désolé, j'ai un peu de retard ce matin, mais je suis là. Parce que je suis la nuit. Je suis vengeance. Comment tu vas? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu visites? Tu inspectes? C'est bon, le stream est... Le stream est tenant, madame le chat? Bon, tout va bien? C'est bon, je te fais que passer. Hop. On va se faire une petite demi-heure de Lego et on enchaînera sur Zelda. Sur le petit Zelda. Ouais, forcément, Batman a son Batarang. Parce que je dis Batarang. Hop là. C'est un peu haut. Voilà. Tu as fini ton setup Lego, toi? Ah non, mais c'est pas là du tout que tu vas t'installer, en fait. Je te dis tout de suite, voilà. Ah, mais t'es sérieuse, là, regarde ça. Madame qui couvre le sachet de Lego. Allez. Allez, en fait, tu te lèves. Tu te lèves, bébé chat. Merde. Je mets celui-là, là. Tu veux pas aller sur celui-là? Négociation. Mais elle est là, regarde. Elle est là. Et lève-toi, voilà. Merci. C'est un peu plus délicat avec, vous voyez, j'ai installé un nouveau pied de micro en low profit. Ah, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool pour bosser, ça me fait gagner de la place. Alors, t'as pas le temps hier?
Mais écoute, ouais. Bah ouais, puis je vais voir des photos. Link qui boit les larmes de dragon, ouais. Et je suis vraiment satisfait de ce nouveau pied de micro, parce que quand je plie tout, que je range, je gagne un espace assez phénoménal. Je t'ai pas allumé, tiens. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui veulent améliorer leur son, j'ai des liens affiliés chez Beacon maintenant. Je vous branche. Il y a 25$ de 20$ de réduction. Donc, hop, lui c'est fait. Alors, le pingouin, on va lui mettre sa moumoute. Et il a un méga flingue. Alors, c'est quoi son flingue? Alors, il a celui-là, ok. D'accord. Bah écoute, ouais, parce que toi, t'en as quand même pas mal avancé. Ah, c'est ça. Alors, il y a ça, ça va. Il va avoir ça d'un côté, ça de l'autre. Ça va derrière et il lui faut le petit la petite détente, parce que oui, on dit une détente sur une arme à feu, pas une gâchette. La gâchette est une autre partie interne de l'arme, mais le talac, ça c'est la détente. Vous voyez quand je fais bien le bruit. Alors. Ok. Ce sera une voiture, ce sera la Batmobile du film The Batman avec avec Pattinson. Le dernier film Batman sorti en date. Et ce sera, ben on la voit là, tu vois, c'est celle-là. Ok. C'est comme ça. Et t'as beaucoup de logistique, Calvandris, pour installer ton truc? Alors, on va dézoomer un peu. Mieux pour les yeux, vous aurez une vue plus d'ensemble. Tiens, alors, voilà. Tu descends. Ça va comme ça directement. Et hier, j'ai pas streamé, j'étais en. J'ai rencontré un ami de longue date qui était de passage au Québec pour des projets filmés. Et ça reste des plans sur la comète, mais il va y avoir des trucs cool qui arrivent. Tu vires le bordel, après c'est trouver le bon angle, caméra, voir le pied de micro. Ouais, ok. Ok. C'est ce que je préfère. Et d'ailleurs, on a un projet, ce serait de. Lui a un projet, ce serait de mettre en place des. Comment dire. Des studios pour youtubeurs à disposition. Excuse-moi. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Ceux qui n'ont pas la logistique, mettre à disposition des studios avec du matériel où tu pourrais juste voilà venir poser
soit ton PC, soit tes merdouilles derrière là, et puis streamer. Et ça me va, on peut jouer à la question pour un champion si tu veux. Avec Julien Lepers, l'ancien Batman. Alors, il faut un grand petit gel là. Je suis tout oui. Hop. Et la petite bleue. Hop. Ça va se monter quand même relativement assez vite, je pense. C'est pas une grosse série, mais j'attends avec impatience. Donc au mois d'août, ils ont révélé l'arrivée donc de la Batmobile de Burton en version petite. Et ben ça sera sur un des prochains streams. Ah. C'est une douche sans eau. Je la connais, c'est celle-là. Alors attends, on le tourne. Dol Nekatan. Hop. Ok, le deuxième. Il a essayé de se lâcher. La playlist a décidé de se lâcher sur Final Fantasy là ce matin, je crois. C'était pas pour me déplaire. Ça va là. Et puis là, on va y mettre des petits carrés noirs. Là, hop, 1, 2. D'ailleurs, on n'a pas fini le. On a le Faucon Millenium à finir chez toi, Mati. Or qu'on s'y mette. Deuxième question, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Alors, c'est blanc et c'était le cheval blanc d'Henri IV. Soyons exacts sur les faits historiques, s'il te plaît. Attention, attention, on ne mélange pas. Est-ce que cela vous chatouille ou est-ce que cela vous gratouille? Ok. Et par ici. Ça doit être sur du. Comment on appelle ça? Du Goemon 64, je dirais. Et dernière question, savoir si je suis un champion. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ok, ça c'est fait. On le retourne. Juste là. Et un rond au milieu. Ok. Par la suite, donc j'imagine qu'on est sur le cockpit. Ça va aller là, que je me trompe pas, et on va mettre le gris juste devant. Et tu fais travailler ton suspense avec ta dernière question, elle est longue, j'imagine. Et le deuxième carré est gris. Ah, il est là. Il est là. Alors ensuite, devant, on va y mettre. Du coup, t'as battu Ganon, toi, Calandris, ou pas encore? Si j'ai 13 pommes, j'en mange 4 et que 5 pourrissent. Alors, si j'ai 13 pommes, que j'en mange 4, il m'en reste 9. Et que 5 pourrissent.
Bah, il m'en reste 4. Alors ça, c'est un de mes thèmes favoris de Zelda. Le temple de la forêt sur Ocarina of Time. Et je sais pas, il est trop bien. Il est complètement faux. Ah, il est complètement nébuleux. Kamaya Matli, est-ce que vous avez de la fumée, est-ce que vous voyez de la fumée vous chez vous? Nous, on a de la fumée carrément à Montréal. Si j'ai 13 pommes, que j'en mange 4 et que 5 pourrissent. Bah, combien de pommes ENT? Il n'en reste aucune parce que c'est pas comme ça qu'on a des pommes. Techniquement. Ah! Ok, t'avais pas précisé, mais ça, c'est la logique technique. Alors, ta 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 ta. Je me suis un peu amusé avec mon éclairage là. J'avais envie de faire un peu plus de choses différentes. Il en reste 9. Ok. Mais il t'a un gros dégueulasse par contre. Il y a les bonnes pourries, ça va abîmer tes autres pommes, donc il t'en restera plus aucune. Que tes pommes pourries vont contaminer tes autres pommes. Mais je me suis au moins amusé. C'est clairement. Alors, on va lui remettre des petits trucs là. Ok. Hop. Ça, mon chat? Tu respires le plastique? Ça sent bon le plastique? Regardez-moi ça, cette terre aimable. Tac. Okay. Et les petits carrés gris qui vont là. On a l'impression qu'il dit, je vois, et je vais tout décorer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est commode, hein. Elle est très très pleine d'amour. Et c'est rigolo. Vous avez remarqué, quand je fais pas de Lego, on la voit pas du live quasiment, elle arrive un peu vers la fin. Mais alors là, directement, elle est là. Hop là, je suis maladroit et on arrive sur la fin du café. Alors, qui s'est passé en affilié avec Streamlabs? On est en train d'avancer de leur côté. D'ailleurs, on est en live également sur Kix, hein. Vu que Twitch améliore pas les choses, parce qu'ils ont annoncé le 70-30, mais ça va toucher 0,02% des streamers, hein, tu dis, vu qu'il faut faire 350 subs minimum tous les pendant 3 mois. Tu penses qu'en 20-30 minutes j'ai fini la Batmobile?
Ouais, ça avance gentiment. Hein. Je pense qu'on la finira pas aujourd'hui si on se la fait gentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ici. Oui, et plaît-il? Non, mais en fait, la petite en plein milieu, là, le chat. Et juste en plein milieu. Alors pas non, pas les pattes sur le clavier, ça les pattes sur le clavier, ça marche pas. Voilà, bah, tout foutu en l'air, voilà. Ok, on y est donc. Ça s'est posé. Je vais mettre les petites grises là. On a le droit à l'hôtel du cul tourné avec le chat. Et on va pousser ça là. Et on va mettre. Ok, ah, ok, il y a deux canons à l'avant. D'ailleurs, Calmandry, si tu as des copains qui stream un peu, qui veulent améliorer leur son, n'hésite pas, tu me dis, je leur envoie un lien pour... Ils veulent faire 2-3 économies, parce qu'en fait, c'est Beacon qui m'a envoyé des liens affiliés. Beacon, c'est qui? C'est l'équipe, en fait, c'est l'équipe technique qui bossait sur le GoXLR et qui a décidé de quitter le bateau pour monter leur propre boîte. Et ils ont fait du matos sonore, des micros. Ils ont un peu l'équivalent du Stream Deck, mais plus orienté son. Et bah pour tout achat, donc 20$ pour vous et 25 pour moi. Donc c'est du win-win. C'est une toute nouvelle boîte, c'est une boîte canadienne d'ailleurs. Une boîte canadienne et voilà, comme je disais, c'est les mecs de chez GoXLR. Ça s'écrit BEACN. Si tu veux regarder, leurs micros sont pas dégueux. Leurs micros sont pas dégueux, mais toi t'es bien équipé de toute manière pour l'instant. Oui, c'est ma jambe ça. Hein. Regardez-moi là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il fout? Avec sa patte sur ma... Bah, le quart d'heure chat est terminé. Ça s'est posé. Ça s'est pas posé au bon endroit. Ça tire le petit truc. On va le mettre au bon endroit. C'est mieux. Alors, il m'en faut un comme ça, un comme ça. On va poser. Il te fait. Et du coup, c'est bizarre parce que les mecs de chez GoXLR sont maintenant une coquille sans âme, quoi. Parce que leurs ingénieurs principaux se sont barrés pour monter leur propre boîte, donc je sais pas comment ils... D'ailleurs, le GoXLR, depuis GoXLR Mini, ils ont plus rien fait.
Donc ça doit claquer un peu des fesses là-bas. Tac. Beaucoup de mes références que je récupère de chez Harry Seller, qui est un moyen gros streamer américain, que j'aime bien parce qu'il fait beaucoup de tutos pour les streamers, pour des tutos techniques. Et je trouve qu'il a une dynamique plutôt cool et il met aussi beaucoup à disposition, il a monté sa boîte de musique libre de droit. Et c'est ce que j'utilise notamment sur les temps d'attente au début du stream ou en fin de stream, c'est ces musiques-là. C'est Streambeats, ça s'appelle. Pousse celle-là. Ok. Et encore du petit gris là. Petit gris sur le rouge. Ouais, j'ai tout fait là. Ah, pas de petite pièce là. Alors, on va rassembler ça. Alors, le du tac. On met un comme ça. Ok. On met la petite tige noire. Tu as du moment ton entourage qui stream Calmandris ou fait partie de ses seuls comment dire? Moi, à part la bande Fred Company, c'est vrai que des fois j'en parle et puis. Oh, tu stream? Ouais. J'ai besoin de passer pour un alien. Tac, tac, c'est ce côté-là. Et allumé. Ouais. On en fait deux. Pourquoi tu dis pas directement en fait en deux? Ah, mais est-ce que tu peux. Ok, je dis pourquoi j'ai une tête en plus? En fait, Batman, tu peux le mettre sans le masque et du coup, il a pas le bandeau. Donc, il a déjà 37 ans. Le jeu vidéo, c'est pas gagné. Alors... Ouais, je comprends. En plus, dans ton domaine d'activité, c'est pareil pour moi. Hein. Déjà, quand certains genre disent que je suis comédien. Ouais, ouais, t'es comédien. Ouf, c'est dur. Hein. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'ai fait ces deux trucs là. Une petite ampliation de qui va aller là. D'ailleurs, je te conseille vraiment, mais ça, je trouve que c'est du Goemon 64. Il y a le thème de Goemon 64, l'intro, qui est chanté par le gars qui fait les génériques de Dragon Ball. Elle est énorme. La chanson d'intro est géniale. Allez, en fait, il me faut juste une carte mémoire pour la 64 pour pouvoir
jouer à Goemon là et... Ça va faire partie des investissements du mois prochain. Ok, on a fini ce sachet là. Ça, ça va aller. Ok, ouais, ça c'est la tête de Batman. Normalement, j'ai un sachet pour ranger les trucs, un bordel. Ma boîte arabe. Je vais ranger ça. Allez, ouvre. Voilà. Ok. Et on va s'arrêter là pour les Lego. Pour enchaîner. Sur du Zelda. Attends, tu poses là. Je gagne, ouais, c'est fou la place que je gagne avec ce truc là. Alors, à brancher le boîtier. Ah, c'est bon. Alors, attends, pour brancher la Switch, il me faut la 3DS. Technique. Hop. Sinon elle est pas droite et ça gêne au niveau du branchement. Ok. J'ai la manette. Je mets la manette et on va passer. Ok. Et on est de retour dans Zelda. Alors on va... Ah ben on s'est pas raté, de... enfin, on n'a pas rejoué depuis la dernière fois. Hein. Alors on va juste me mettre de quoi jouer. Voilà. Donc on avait fait cette larme de dragon. Et ben du coup l'objectif c'est de faire la prochaine. On va essayer d'aller se faire le sanctuaire qui est juste au-dessus là. Voyons voir. Ah oui, c'est bah, ça marche. Hein. Ça marche, ça marche. Faut que je me trouve un autre adaptateur un peu mieux, un socle. Alors allez où ta carte? Parce que celui-là, il vous est sponsorisé par la carte de Calmandris. Je vais retourner sur la conversation, ça sera plus simple. Hop. Allez, barre-toi, toi. Donc on a fait le 7. Il faut aller faire le... Et le 8. Waouh, le 8 est... Le 8 est tout là. Par là, le 8. Eh bien, on se fera une traversée du désert. Hein. Donc, on va aller se faire le sanctuaire qui est juste au-dessus, là. La souris qui est là-bas. On avait galéré la dernière fois. Parce que c'est du truc à poil.
après on va remonter vers le prochain village, je pense Hyrule. Ouais, plus haut, c'est bon, on sait vers où aller. On va remonter vers Hyrule pour, bah, pour monter les cœurs, parce qu'on a pas loin de 8 ou 9 cœurs. Pour remonter les cœurs et compagnie. Ouais. Hop, l'appareil photo. Hop. On va profiter. Alors bon, c'est chiant que tu puisses, enfin qu'il faille passer par l'appareil photo pour. Tu pourrais juste prendre l'appareil photo et puis basta quoi. Tu vas faire ça. Très certainement un truc à faire par ici. Sinon ils auraient pas mis de torches comme ça là. C'est rigolo mais il est quand même beaucoup plus beau sur une télé hein. À 13h ici. Hop, j'ai perdu le temps un peu à 5h. Allez, on va essayer de se faire prudemment les messieurs, les robots. Investi dans une gourde isotherme. Upgrade. Allez, prudent. Là, il va me falloir pas mal de ça. Ok. Ok, alors. Alors, comment je peux passer? Là-bas, il y a une échelle. De me faire des plateformes. Ah. Allez, allez. Ah. Hop.
Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Ensuite. Hop là. Putain, j'ai rien à bouffer. Est-ce que si je prends ça... Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Saloperie. J'étais bien avancé là quand même. J'aimerais me le faire par strat et j'aime le garder pour la fin pour en haut. Comment ça non? La gueule. Oh putain. Ah ça a mal commencé. Ah ça a tellement mal commencé. Ok, d'accord. Il va me donner du fil à retordre celui-là. Ha!
Allez, d'accord. Allez. Ok, hop. On la paie avec ton électricité là. Merde. Allez, hop. Ok, grimpe là. Alors. Et mince. Si je fais ça, je vais prendre et que là je fais ça. Ok. Ok, encore un de moi. Ok, il me reste combien? Il me reste plus que celui-là là-haut. Je fasse pas de bêtises. Ah ben voilà.
Voilà, facile. Il avait lâché des trucs lui. Rien lâché. Ah, j'aurais pu aller récupérer ça là. Alors, c'est un truc que je peux fusionner. 6, 7, 20, 7, 8. Ok. Suffit de demander. Oh, 27. Ok, hop, un tir de plus. Alors ce qui nous fait... Et 12. Allez, on va en direction, on va traverser la plaine, passer par le village principal. On leur a parlé à eux. Une mission en plus. Ils ont saccagé le village. Impossible de s'approcher avec tous ces monstres. J'ai l'impression d'être observé. Eh salut Jika. Bah t'as loupé la petite session Lego. Continuera la semaine prochaine. Mais si tu comptais te rendre au village des Caraïbes, alors je te conseille de rebrousser chemin, voyageur. J'espère que ça va et puis du coup bon courage pour le boulot. Des petits bisous. Malheureusement, le village n'est plus sûr. En tant que chef du village, il est de mon devoir de te prévenir du danger. Là, on a fait, on a commencé la Batmobile. La petite Batmobile de The Batman. Comme tu peux le voir, le village est tombé aux mains des monstres. J'ignore ce qu'ils veulent réellement, mais ils n'ont certainement pas pris la peine de demander. Ils se contentent de piller et saccager. Par chance, tous les villageois ont pu s'enfuir. Cependant, nous sommes tous isolés les uns les autres, nous n'avons nulle part où nous réfugier. Si seulement nous pouvions chasser ces monstres. Bon, prochaine mission. Ah, mais t'inquiète pas. J'empresserai de réparer toutes les maisons. Est-ce que le cataclysme qui agite à ce point les monstres, quelle sauvagerie! Leur recrudescence était déjà assez flagrante, mais ils se mettent à débarquer en bateau en plus. Ça c'est cool comme quête, ok. Salut Dark Breeze, comment ça va? Salut toi, bienvenue. Bienvenue. Bah écoute, ça sera. On va aller faire le géoglyphe et puis on la refera en descendant, je pense. De véritables pirates, ma parole. Que va devenir le royaume si des monstres s'organisent de la sorte? En tout cas, il est trop dangereux de s'approcher du village tant qu'il en reste. Ok, invasion de pirates. Mission géoglyphe. Il fait super chaud dans le bureau. Bah écoute, ça va très bien, c'est le week-end. On en profite, là on a fait un petit peu de Lego, puis on enchaîne sur du Zelda. On a envie de se faire les géoglyphes. Oula. Oh
Et là, vous allez vous calmer. Ok, ouais, toute la forêt contre moi, on va passer. Ah ouais, ouais, toute la forêt, hein. Alors attends, du coup, hop, hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ok. Allez, on s'approche. Bienvenue, à quoi tu joues d'habitude, Dark Breeze ? Oh, le petit popping. Traverser la vallée, ça nous permet de découvrir, ça va nous permettre de découvrir un peu la map. J'essaye de faire le Zelda sans trop de télé, sans trop de téléchargement, sans trop de téléportation, histoire de bah de réellement découvrir le moindre centimètre carré de la map. Alors certes, c'est plus long, mais bah, tu apprécies plus, je dirais, tu apprécies plus le truc, quoi. Voilà, lui, on va s'occuper de lui, on va filer un coup de main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si je mets... ça dessous. Jamais tu utilises Babil. J'ai pas tout compris ce que tu m'as dit là. C'est ça que je voulais faire, ça devrait marcher quand même aussi. Si je fixe ça là comme ça. Est-ce que ça va tenir? Joue à Honkai Star Rail. Qu'est-ce que c'est ça, Honkai? On dirait un truc quand t'as froid. Parce que quand t'as froid, Honkai, mais... c'est du... ça tient? Allez, donne-moi à manger, donne-moi des rubis. Et voilà. Je regarderai ce que c'est ça, je suis curieux. Il faudrait que je fasse un peu de cuisine, j'ai plus rien à bouffer. Fleur de confusion. Allez. Forcément, il flotte, on va pas pouvoir escalader. Ouais, du marteau, on s'en fout. Quand on voit ces trucs briller comme ça, j'ai l'impression de jouer à un jeu PS3. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est les premiers jeux PS3. Dès qu'ils faisaient un effet, tout était gélatine fan. Lui, il est... hop là. On va pas faire de bruit, on va le laisser tranquille lui, puisqu'il a l'air... Ouais, je vais voir sur le net, ouais. Il a l'air occupé, donc on va monter sur mon petit caillou, là, et... et on va aller faire un tour dans les cieux. Hop.
Eh merde. Alors, ça va être plutôt là. Hein. Ah, bah, lui il veut pas. Je n'ai pas envie, pas envie. Ah, papillon. Ça va être doug. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, t'en fais pas, t'en fais pas. Ouais, ok, ils ont envie de venir m'embêter. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir mon été au Canada là. Temps pourri. Et non pas la tempura. Oui, oh, ça va, merci le radar là, je l'ai vu. le sanctuaire, c'est sympa. On attendra plus tard. Bon, on va pas tous les aider là, sinon j'y arriverai jamais au truc. On va juste débloquer le relais du lac. Prends ton temps surtout, hein. Donne-moi des points. Voilà. Donne-moi mes points de fidélité. Ah, tu l'as trouvé? Elle était où alors du coup? Elle était vers le relais de la forêt, non? Un truc lui. Salut papy, comment ça va? Ah merde. Oh, alors peut-être qu'elle bouge aussi, hein. Vers le sud-est. Ah ouais, bah tiens, c'est bizarre. Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Attendez, si c'est un cul-de-sac là, on va pas y arriver, hein. Si je peux. Comment se passe votre week-end du coup? Qu'est-ce que vous avez prévu? Bah après du coup, malheureusement j'ai l'impression que votre week-end est presque terminé. Merci pour le perso. Oh là, bah parfait ça. Parfait. Pile poil. Pile poil en dessous. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, déjà, c'est pas du combat. Les ponts reliés. Ok. Ok, on peut réparer les ponts. Ah, bonne idée. Hop. Je le ferai une fois à l'extérieur. Voilà. Voilà.
Ok. Ça, ça marche bien aussi. Bonne idée. En gros, l'avantage, c'est que les racines, on les voit, quoi. Grimpe, Jean-Michel. Et il est chiant, celui-là ? On va voir. On va voir. Non, j'imagine qu'il faut... Pour l'instant, non, ça va. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hop. Je gère. Puis j'ai l'impression que je suis à la fin, donc Ah, non. Je gère. Bon, pour l'instant, je gère. Tout va bien. Où il me fait apparaître ce con? Bah non, c'était facile. On n'a pas tous le cerveau même monté de la même façon, c'est rigolo. Hein. Allez, 13 orbes. Ok. Alors. Eh bien, fait pas beaucoup plus beau. Alors, on va marquer le sanctuaire. Faut que je remonte. Ah oui, oui, mais bah on y va justement. On va passer par la plaine Virule pour aller augmenter un peu l'endurance. Pour l'endurance. Un gris roc. Un gris roc. Un gris orc. C'est quoi ça? Oh, il repleut. Saloperie. Y'a pas un petit caillou là pour me faire gagner en hauteur? C'est quoi ça? Un cheval squelette. Ah ouais, ok ouais.
Ah ouais, les gros dragons là, non, ça va. J'ai essayé de me faire celui sur le pont d'Hyrule là. Il m'a bien dégommé. Je pense que j'ai pas encore assez de cœur. Là, il y a un Korogu, mais je ne peux pas y accéder pour le moment. Avant les cœurs? Ouais, bah écoute. On va monter ça là. On va prendre ce sanctuaire là. Ouais, vous m'embêtez vous. En plus je vais me jeter des cailloux. Ah ouais. Ah, il va avoir de la surprise. Vertical et horizontal. Ok, alors ça j'imagine qu'il faut que je fasse ça. Ah, vous me teasez. Vous me teasez. Yes, ok, facile. Ok, t'as déjà trop dit. Ça. C'est. Ah, pas assez. On va prendre un petit peu d'élan un peu plus. Ouais. Voilà. Ça devrait être bon. Yes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais non!
Oh, tu me gonfles, toi. Voilà, voilà, toi. Voilà. Voilà. Sanctuaires. J'aurais dit plus. Je te rattrape, non? Parce que je suis à 30 comme ça. Avec 14 orbes. Enfin, une petite pause pipi. Je suis à combien? Je suis à 46. Alors, on va se rapprocher. Alors. Il faut que j'aille dans cette direction-là. Non, ok. Celle-là, elle a pas bougé. Prendre la hauteur. Oui, oui, non, mais attends, je vais savoir qui est la plus grosse, t'inquiète. Hein. Allez, grimpe. T'es en parlant de gris rock là. Il y en a un qui est là. On est près du temple, enfin du plateau du temps. Tu as réussi à faire les statues des prêtresses? C'est une zone qu'on a déjà visité, donc là par contre je pense qu'on va se téléporter directement, gagner un peu de temps. Ah, je pourrais faire des batteries là. Et on va juste faire une toute petite pause, le temps de faire un petit pipi. Ah. Ah ouais.
Et me revoilà. Donc, on n'est pas exactement là où je voulais aller. On n'est pas loin. On va aller se faire un peu d'endurance. Sur les batteries aussi. C'est là ouais pour le... Ok, là je peux faire les batteries. Est-ce que j'ai assez pour faire des batteries? Avec ma pauvre batterie, moi, je vais pas loin, je vais pas loin à chaque fois. Alors... Vas-y, combien il t'en faut? Ah bah déjà? Bah oui, vas-y. Classe. Ce sera déjà un peu mieux. Ça c'est pour un tiers de batterie, d'accord. Ok, moi je crois qu'il faut continuer à récupérer. Allez. Alors, elle est où la statue? La statue, elle est là. Il faut 1900. Oui. Alors, hop. De quoi? Ah ouais, 4 messages? On va essayer. Mon petit doigt, vas-y. Bah ouais. Oh, salut le chat. Je sais pas comment, hein. Enfin je sais plus comment, mais oui j'en ai récupéré 4 déjà. Je veux de l'endurance en plus. Oui le chat. Allez viens. Allez viens, c'est bon. Ah, finalement tu viens pas. Alors je veux de l'endurance. On me dit deux cœurs d'endurance, enfin deux cercles d'endurance. Je vais te demander, voilà on y est. Allez, maintenant, direction. Ok, ça marche. Direction là. On va les prendre. Du coup, Babil se recharge plus rapidement, c'est ça?
Ah, faudrait que j'en regarde. Oh, attends, j'ai vu ça, mais je sais pas pourquoi il déconne. Jeter un coup d'œil. J'ai vu la dernière fois que j'avais je sais pas combien de milliers de... stream, éventuellement. Ouais, streaming, streaming. On va le couper. On va le couper en attendant. Pour éviter... C'est un peu trop embêtant. On verra ça plus tard. Alors. C'est quoi ça? C'est un sanctuaire. Pour l'instant, je ne vois pas de géoglyphe avant que ce soit par là. Ouais, ça plutôt par là. Pas une tour par là qui va me permettre de... Je pense qu'on va se téléporter. Téléporter... Par là. Ouais. C'est débloquer la tour. Alors. Ok, une tour juste là. Parfait. Bah écoute, ça avance là, on y est presque, on s'approche vers le 8ème géoglyphe, je dirais. Ouh, ça sent le... Non ? Ok. On va aller débloquer la tour là-haut. Ouais, c'est ça. Là, je l'ai pas débloqué celle-là. Eh, hey, t'arrêtes, quel est mon chat? Allez, on approche. Salut, petit loup. Ça monte toujours. Hein, pourquoi c'est jamais l'inverse? Pourquoi ça, pourquoi il faut, je suis pas en haut, il faut que ça descende. Il y a un caillou qui est tombé par là.
tombé où ce caillou? Ok, je suis trop bas. Caillou là, faut sûrement prendre un peu de hauteur. T'arrives pas de caler mon chat. J'ai vu un caillou tomber par là, hein. Il est tombé où ce caillou? Bon. Est-ce qu'il y a la départ quelque part? Je ne sais pas par où. Ah oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Attends, on va filer un coup de main au monsieur. Alors. Oula, trop chier là lui. Ça. Parce que j'ai un bouclier, j'ai un bouclier dispo. Hop. Alors. Nickel, merci beaucoup. Alors on va refaire le pont là.
Alors. Hop. Ok. Ok. Hop. Bon, si ça va passer. Attends. Je suis bâtisseur de ponts, c'est les ponts de l'ex. Oh, merde! Ah, j'ai le. Tiens, j'ai le stick. Enfin, je change le stick de ma manette. J'ai le stick qui est en train de partir en lambeau. C'est facile ça, je vois pas de vis. Ouais. Ouais. La bonne occasion de commander une manette Zelda. Ok. C'est la prairie de Karl. Karl Urban. Ça, elle marche? Que se passe-t-il? Allez. Envoyons-nous en l'air. J'imagine que c'est celui-là. Ok, il y a un labyrinthe là-haut. J'adore comme à l'aise, il se refait son truc. Il se range. Ah.
Ok, attends, ok. Allez, c'est parti. Exactement ça que je vais faire. C'est quoi? On va avoir un trampoline. Ah. Ouais, oh. Dire de récupérer. Ouais. On va récupérer le laser dans le... Allez. Ça monte pas beaucoup ça. Ok. Là, je sens le Kourou quelque part par là. Ok,
Ok. Voilà. Alors. Alors, le laser, il va où là? Ok. Hop, hop, hop. Je vais pas trop descendre. Ok, alors les trucs là, pas cramer. Baguette de feu. Brûle. Ah bah attends, on va l'équiper d'abord. Reviens par là, Jean-Micheline. Ok, hop. Ok. Mais là, je m'embêtais à faire le tour de l'île, mais... Ah, grimpe.
Ok, on tourne. On monte. On monte, j'ai dit. Bon. Ça marchera. Ça marchera aussi comme ça. On se dépêche, on va faire le géoglyphe après et on arrête là. Oui. Timing parfait, on aura juste fait le géoglyphe. Alors récupérer un peu de loot. Pourquoi pas. Et du coup j'en passe à 3, il m'en restera encore un, on pourra faire un cœur en plus. Ok. Attends, on va peut-être demander un peu. Il y a du truc là. Vers là-haut. En même temps, j'y étais là-haut. À quoi ça, est-ce que vous savez à quoi ça sert ces trucs-là, là ? Alors. Ah ben on est dessus du géoglyphe. Là on a rien si ce n'est une plateforme. C'est pour une quête normale? Normalement ok. Alors. Ça en fait des gouttes. Ah, je pense qu'elle est là. La goutte pleine. Là on a. Là on a je pense un korogu et la goutte. Attends, on va faire le korogu. Alors soit là, soit là. Ouais, je pense que. Non, ok, voilà. Par là. Yes. Ah, allez. La suite de l'histoire.
qu'il a récupéré une pierre. Je vous en prie. Il prend pas la deuxième ? Ok. Enfin. Tu es à moi à présent. Ah ouais. Et les cornes qui poussent aussi. Ok. C'est lui qui fait apparaître toutes les bestioles, ok. Les linelles. C'est vrai. Sonia! Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant, le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans borne. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Gazolda ! Votre Majesté ! La reine a besoin de vous. C'est ce soir? Ok. Bah là on va partir, après quand, quand on revient, je suis là. Avec la lune rouge. Bah c'est classe. C'est classe, on va en chier sur Ganondorf, mais c'est classe. Ouais. Oui, j'ai entendu. Ok. Mais c'est quand même bien cool. Fais cet emploi, sanctuaire là. Bon, on va s'arrêter là. Mettre un coup de sauvegarde. C'est à quelle heure, papy? Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer là-dessus. On s'arrête là pour aujourd'hui. On est pile poil.
pile poil dans les temps. On reprendra vendredi prochain pour continuer. Il y a quoi ce soir? Bah, je crois que c'est la, c'est le Noël de papy, je crois. GMT plus 1. GMT plus 1. 22h, GMT plus 1. Ok. Ouais, 22h, ça fait... ça va faire 16h, un truc comme ça. Ok. Donc nous, on va s'arrêter là. On se retrouve vendredi pour continuer sur le géoglyphe numéro 9. Et on va continuer comme ça, et puis on fera un petit peu de Lego, et puis on continuera le Zelda. C'est, bah c'est plutôt classe, j'ai hâte de voir la, la suite de l'histoire, et puis de continuer à upgrader le Link là, pour continuer ça. En tout cas, en fait tous les trois mois je crois qu'il fait ça, papy. Bah en tout cas, merci beaucoup, on se retrouve vendredi, et puis si amusez-vous bien, bonne fin de week-end à vous, et puis... ouais, on peut se faire un petit raid. Je sais vers qui en raid. On va lancer Twitch. Ok, ça, pas que le chat me bouffe. Alors, vers qui on va lancer un petit raid? Qui est en ligne? Hop, on voit ça. Ok, allez, ok. Oui, oui, ok, on va regarder ça. Je me le copie là. Alors, papa, bon, chez moi il y a Benza et Monsieur Karaté, mais si vous avez quelqu'un à me conseiller plutôt de plus petit. Ouais, je vais regarder ça en suivant. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah, ils ont changé l'interface, ok, on s'en fout. Les créateurs. Allez, Omaru. Allez, copie-toi. Oui, je m'en fous en fait. Je gère le stream, voilà. Alors, on va lancer un petit raid chez Omaru. J'espère qu'il a. C'est bien ça, Animal Crossing 6 viewers. C'est très très bien. Faites un bisou à Omaru, souhaitez-lui bon stream, amusez-vous bien, bonne fin de journée pour ceux qui sont en France, et puis bon dimanche pour les autres. Je vous fais des bisous, on lance dans 10 secondes. Hop. Bye les copains, et puis oubliez pas, dites non à la drogue. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs. Je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture. Je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action. Ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?